Oh. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec le tout dernier peu clip de Booba qui s'appelle Léo Messi. Un clip qui est sorti sur Twitter. Booba là, attention, en ce moment il fait des bails assez originaux. Après la sortie d'un de ses sons par NFT, alors les gars, c'était un bail très très ouf et tout. Je me suis renseigné, mais bon, apparemment il faut acheter son peu clip, tout ça. J'avoue, flemme de dépenser, mais c'est un truc vraiment du turfu, franchement le principe est ouf. N'hésitez pas à aller vous renseigner bien sûr sur les réseaux et tout, mais franchement je trouve le délire assez ouf. N'hésite pas aussi en commentaire à me dire ce que t'en as pensé. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur le peucli qu'il a lâché comme ça sur les réseaux. Donc le peucli s'appelle Léo Messi, donc j'ai vu il est pas du tout dispo sur les plateformes, mais il a lâché ça du coup sur Twitter les gars. Donc on va pas perdre de temps, on va y réagir de suite. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche les gars, c'est super super important. Et en commentaire voilà, tu me dis si en ce moment tu kiffes les délires du duc ou pas. Bref, c'est à toi de jouer. Oh là là. Non. Il y en a un gars, il a fait une chute de ouf. Hein. J'ai l'impression dans les peu clés en ce moment, ils aiment bien mettre les chutes et tout. Bon délire. Bon bye. Ah du coup les gars, le son Léo Messi, ça me fait penser un peu style un délire d'intro, tu sais, d'un projet limite. Ouais, parce que déjà c'est un truc court, on est sur du Booba, pas du tout mélo, vraiment voilà, en mode kickage façon Booba. Ça me fait vraiment penser Booba entre guillemets à l'ancienne et tout. J'ai pas envie de faire mon pur état de balle, mais là on retrouve un peu le Booba de base et tout. Et j'avoue que moi c'est ce Booba là que je surkiffe le plus, et c'était ce Booba là que j'avais découvert. Même si évidemment le Booba Mello est incroyable, mais de cette manière là, avec des punchs qui me font réagir, tout ça, avec une écriture vraiment dans le style de Booba. Là dessus aussi il faut le reconnaître que Booba il a une écriture vraiment très très atypique et qui est unique hein, dans le game. Et c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui hein, on va pas se mentir. Après bon, le peucli voilà, c'était un peucli façon très très rapide. On aurait dit limite un vlog d'Inoxtag et Michou, mais ça fait plaisir. Mais c'est un délire en plus qu'il a lancé comme ça, voilà, sur Twitter. Donc voilà, franchement pourquoi pas. Mais c'est limite frustrant qu'il y ait pas un son, enfin que le son ne soit pas dispo sur les plateformes de stream et tout. Même si c'est un son un peu court, peut-être un petit refrain mélo aurait été lourd. Ou alors peut-être même en feat, j'avoue, avec un autre kicker, ça était pas mal. Mais sinon ça reste quand même un très très beau son. Mais voilà, bon, il s'appelle Léo Messi et j'ai envie de dire bah comme Léo Messi à Paris, ça nous laisse un peu sur notre faim quoi. On espérait mieux. Non je rigole, c'est pas on espérait mieux, on espérait plus en fait. Ouais bon, en fait c'est comme Messi à Paris hein. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, en activant cette fucking cloche. Et en commentaire vous me dites si vous avez kiffé le délire de Booba. Voilà. Et aussi bon bah les gars, n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est grâce à vous là en ce moment. Ça charbonne beaucoup. Et là il y a un très très gros week-end qui arrive. Ça va être quelque chose. Bref, c'est un qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est réaction freestyle par tu pars. Comme on dit mon rouge, jamais de faux.